quelques mesures, je viens poser mon arrogance sous ma conscience. Enfin, ma science c'est tout le fruit de mon indépendance. 7 ans de rap et je me sens plus dans le coup. J'ai vu un clip hip-hop hier soir et j'avoue ça m'a mis un coup. Pourtant ce type avait la classe, grand gabarit, un gros cigare. Autour de lui il y avait des tasses, des poches de bleu et des grosses liasses. En plus le mec il meurt jamais comme dans les films de grands studios. Vraiment studio, le genre de type béni des dieux. J'ai pour m'y faire, mais moi quand j'ouvre les yeux c'est pas du 16-9ème. La croix s'ouvre pas comme ça et quand ça se plante c'est du vrai sang qui sort des veines. Moi mes héros c'est pas de la coque sur un plateau, mais travaille tôt pour leur famille. Rien de chez eux après une dure journée de boulot. Y'a ceux qui glorifient la merde et ceux qui la combattent. Tu veux fasciner qui avec tes films de thèse? Ce sera l'écart, c'est pas la fête de mon emploi ou perte. Comment c'est prise de tête? Chacun son histoire dans sa musique ou dans son rap. S'il vit sur un nuage, c'est ça la mode de ça, je m'écarte. J'ai des obligations et un devoir quand je prends le mic. Les mots ont trop de poids et d'importance pour que j'y rappe. À chacun son histoire dans sa musique ou dans son rap. S'il vit sur un nuage, c'est ça la mode de ça, je m'écarte. J'ai des obligations et un devoir quand je prends le mic. Les mots ont trop de poids et d'importance pour que j'y rappe. Le rap est une vraie force, un art, un savoir-faire. Le but c'est rester fake, ça soit surpuissant en concert. User des mots en toute conscience et bien comprendre ce que ça engendre. Du moment que les gens écoutent, je pense à me concerner. Ma ville c'est pas Beyrouth, même s'il y a pas mal de problèmes. Le but c'est de les résoudre et pas les pousser à la haine. Chez moi c'est pas New York, alors pourquoi je ferais pareil? Les MC se perdent en route et c'est le rap que ça enraye. Ça glorifie les gangsters et puis le fake. Mais là y'a plus personne quand ça parle de politique. Y'a ceux qui poussent les jeunes au voler à la coque. Et ceux qui poussent les jeunes aux études et puis aux votes. À chacun ses opinions. Moi mon rap servira pas à pousser des jeunes sur pair un peu plus vers la prison. J'ai des obligations, car c'est vraiment ton sème de ruiner la jeunesse en deux trois mots dans mes dictions. À chacun son histoire dans sa musique ou dans son rap. S'il vit sur un nuage, c'est ça la mode de ça, je m'écarte. J'ai des obligations et un devoir quand je prends le mic. Les mots ont trop de poids et d'importance pour que j'y rappe. À chacun son histoire dans sa musique ou dans son rap. S'il vit sur un nuage, c'est ça la mode de ça, je m'écarte. J'ai des obligations et un devoir quand je prends le mic. Les mots ont trop de poids et d'importance pour que j'y rappe. Prendre le mic c'est vraiment simple, comme raconter de la merde, cracher dans les enseignes. Sous l'effet du fric ou d'une moitié, je sais pas, c'est vraiment sain. J'y pas que j'en suis ça même loin de là. Mais le rap d'aujourd'hui ne me convient pas. Donc je me place au-delà de cette mode-là qui ne me reflète pas. Donc pas à pas, je me pose et je construis un peu rap plus réfléchi. Que tu viennes d'un milieu aisé ou issu d'un taudis. Ma mère m'a pas appris à ruiner la vie d'autrui. Puis je pense avoir passé ma période d'idiotie. Moi je peux pas faire le pitre quand je commence un titre. Te dire qu'on est tous fous pour que t'ailles briser les vitres. Et puis c'est aussi simple que de dire niquer les flics. Rien de bénéfique à balancer ce speech. À part endoctriner un jeune perdu de 17 piges. Et ça serait vraiment pas mon but. Est-ce que tu piges? À chacun son histoire dans sa musique ou dans son rap. S'il vit sur un nuage, c'est ça la mode de ça, je m'écarte. J'ai des obligations et un devoir quand je prends le mic. Les mots ont trop de poids et d'importance pour que j'y rappe. À chacun son histoire dans sa musique ou dans son rap. S'il vit sur un nuage, c'est ça la mode et ça je m'écarte. J'ai des obligations et un devoir quand je prends le mic. Les mots ont trop de poids et d'importance pour que j'y rappe.